Good morning, allez, Idan, les six rois aujourd'hui, les lunes Nishmat, Chayester, Bat Miriam, ainsi que dire fois, Tolibis, Rishimon, Ben Chayester, Hamchet Miriam, Bat Roselena, Binamin, Ben Chibiba, Inon, Chay, Ben Jessica, et Shmuel Meir, Ben Miriam, Serel, et Torchar, Chol Israël, si vous savez, vous suivez une prochaine étude de Mishnah, contre les 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Erubin, Perek, Yud, Mishnah, Yud Dalet. Kohen, Shelakab, Etzbao, Korech, Alea, Gemi, Bamikdash, Avalo, Bamedina, Imlo, Tzidam, Kanvekanasso. Bozkin melach al gabe kevesh, bishvil shelo yachaliku, ou memalin mi bor agola ou mi bor agadol bagalgal be shabbat, ou mi ber akar be yom tov. C'est tout. On continue donc à parler des différentes permissions que Chachamim ont fait au Bet HaMikdash spécifiquement, des choses qui sont en théorie interdites dans le reste du pays, mais qu'au Bet HaMikdash on les a permis. La première, c'est Kohen shelaka be etzbao. Un Kohen qui a eu une blessure à son doigt. Korech alea gemi bamigdash. Il pourra lui entourer dessus un gemi. Un gemi, c'est une sorte de roseau, je crois que ça s'appelle du raffia en français. Ça pousse autour des palmiers. On expliquera ensuite, précisément c'est quoi la permission. Avalo bamedina, mais dans le reste du pays c'est interdit. Veimlo tsidam. Mais par contre, s'il va la serrer au point de vouloir faire sortir du sang, kan vekan asur. Ici et là, ce sera défendu. Soit, tout d'abord, un Kohen qui a eu une blessure dans un endroit, il faut savoir, le Kohen, il doit tenir les ustensiles avec lesquels il fait la volée au Beth Amikdash, il doit les tenir avec sa main sans khatissa. Donc en fait, on parle ici qu'il y a une blessure, un doigt qui ne va pas déranger, qui ne va pas faire écran entre l'ustensile qui va toucher et la main. Maintenant, s'il a une blessure, alors c'est pas mechoubad, c'est pas digne de faire qu'on voit un Kohen qui fait la voda avec une blessure sur son doigt. Il peut y avoir du sang qui va couler. Donc, on lui a permis d'entourer sa blessure avec un pansement d'époque, qui est donc ce raffia, hein, qui a la propriété de guérir. Et là, c'est l'al-khidouche. C'est pour ça que Medina, dans le reste du pays, c'est interdit, parce qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de se guérir, sauf si c'est une blessure qui va nous mettre au lit. Mais sinon, on n'a pas le droit de se soigner à Shabbat. Et du coup, au Beth HaMikdash, on lui permet malgré tout, par rapport au besoin de faire la voda. Maintenant, quoi qu'il arrive, s'il veut la serrer au point, faire un garrot au point de faire sortir du sang, alors là c'est interdit, parce qu'il n'a pas le droit de faire sortir du sang en Shabbat, il est interdit de Chovel. D'accord? Il n'a pas le droit de faire sortir du sang en Shabbat. Et Chovel, c'est faire une blessure, c'est dérivé de l'interdit de Shochet, de faire la shrita d'un animal, lui prendre la vie, le sang qui est Adam ou Nefesh, le sang c'est la vitalité de l'homme, on n'a pas le droit de faire sortir du sang en Shabbat. Deuxième sujet, Bozkin melach al gabe kevesh bishvil shelo yachliku. On dispersera du sel sur le kevesh, sur la rampe du Beth Amikdash, du Misbeach, Bishvil Shelo Yachaliku, pour qu'il ne glisse pas. Et déjà, on s'arrête là et on explique de quoi on parle. Il y a une halakha ici, mais qu'en fait, elle parle d'un cas très spécifique. Soit le kevesh au Beth Amikdash, il était en pierre, il était lisse, et des fois, en hiver ou s'il pleuvait, on risquait de glisser. Du coup, la solution, c'était de disperser du sel dessus, comme ça, les Kohanim, quand ils vont monter, eh bien, ils vont plus glisser. Ça, c'est la permission qui est écrite, et on n'a pas le droit de faire ça chez soi, à la maison. On va expliquer après, mais d'abord, il faut bien préciser de quel cas on parle. Tout d'abord, de manière générale, tout ce que vous allez disperser sur du sol, sur un sol à Shabbat, avec intention de le laisser, vous êtes en train de transgresser l'interdit de bonnet, de construire à Shabbat. Soit, imaginez, vous avez... un terrain qui est un peu qui est pas assez plat, lisse, vous allez disperser dessus du sable, ou même du sel, avec un ensemble de laisser ce sel pour toujours, alors vous transgressez l'interdit de bonnet, vous êtes en train d'aplanir le sol. Toute la permission ne débute que si, et ça peut être même si vous allez mettre de la paille dessus, si c'est avec un ensemble de le laisser pour toujours, alors vous êtes en train de construire. Tout le sujet de notre Mishnah débute lorsque l'on va... Et on va le disperser, mais avec l'intention de le récupérer ensuite, pas de le laisser éternellement. D'accord? Du coup, chez toi à la maison, je t'interdis de le faire, parce que de peur que tu vas le faire avec l'intention de le laisser, et au Beth Amikdash, on a une permission spéciale. Maintenant, les Mefarchim m'expliquent aussi de nouveau, il y a un autre problème technique. Comme on a expliqué tout à l'heure, qu'il ne faut pas qu'il y ait des écrans entre le Kohen qui fait la Voda et ce qu'il touche ou ce qu'il marche aussi. Lorsque c'est le Kohen, il doit faire une avoda, de prendre quelque chose et de l'amener au Beth HaMikdash, il faut que son pied soit posé au sol.
il peut pas le poser sur un ustensile. Du coup, on a un problème avec ce sel. Ce sel-là que tu vas éparpiller, et lorsque le coin il va monter, il ne va plus toucher la rampe directement, il n'est plus en train de monter, il est en train de voler pour amener le. Pour amener, il est plus en train de monter sur la rampe. Du coup, la Gemara, elle explique qu'on parle que il n'est pas en train de faire une avoda ici, il est en train de faire monter des bois pour les brûler. Il y a parmi tout ce qu'il fallait faire au Beth Amigdash, une des choses qu'il fallait faire, c'est aussi amener des bois en haut, qui n'est pas une vraie avoda. Donc là, il pourra monter sur ça. Mais par contre, Bémet, lorsqu'il va vouloir monter avec du sang, du khatat, pour aller le faire l'aspersion là-bas, il faut qu'il monte sans passer par l'endroit où il y a du sel, il faut qu'il touche directement la rampe. D'accord? Et dernier sujet de la Mishnah, ou Memalin Mibor Agola, ou Mibor Agadol, Begalgal Beshabbat, on pourra remplir depuis le puits Boragola, le puits des exilés, ou Mibor Agadol, et le grand puits aussi, Begalgal Beshabbat, avec la roue à Shabbat, ou Miber Akar Beyom Tov, et même aussi avec le Be'er Akar, avec la source littéralement froide, on m'explique ensuite. Beyom Tov, Ayom Tov. Bon, on explique, d'abord il faut une introduction. Tout d'abord, Chachamim ont fait un décret, qu'on n'a pas le droit de puiser de l'eau au Shabbat de manière trop facilement, trop abondante. Soit, s'il y a une, on va expliquer après dans quel cas exactement, mais en tout cas, s'il y a un système de rouage très bien, très pratique pour faire monter une tonne d'eau, j'ai pas le droit de puiser de ce puits à Shabbat, si je suis dans un endroit où je... Ou par exemple, si je suis dans un champ. Ou par exemple, le problème, il est quoi? Il est que si tu vas te mettre à puiser de l'eau trop facilement, on va se retrouver après avec des gens que machinalement, ils vont puiser de l'eau, ils vont commencer à arroser le champ. Le tifatissal apporte encore une autre situation. On va mettre à tremper du pichtan, du lin, qui est un interdit de Mechabès, Melaben. D'accord? Il y a donc partout où c'est trop facile de puiser de l'eau, s'il y a un risque à côté, à proximité, de transgresser un interdit de Roïta avec cette eau, Rami m'a fait un décret de ne pas utiliser cette eau. À deux exceptions près, à trois exceptions près en fait, deux au Beth Amikdash, qui sont le Bor Agola et Bor Agadol, je ne sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça, où au Beth Amikdash on te permet de le faire, et aussi le Be'er Akar, alors Ayom Tov, Be'er Akar Ayom Tov, c'était un puits où il y avait, où les exilés, comme ça il rapporte le Barthénora, les Bnei Agola, les exilés, lorsqu'ils voulaient ensuite, ils voulaient monter en Israël pendant les fêtes, alors il fallait de l'eau pendant Shabbat, Chachamim. C'est plus que Chachamim, c'est même les Nevinim, Chagai Israël Malachi, les derniers Nevinim, ils leur ont permis de puiser de l'eau. Du coup, on n'a plus touché à cet interdit, on n'a pas décrété d'interdit sur ce que ces Nevinim ont permis. Donc, on a laissé cette permission que pendant Yom Tov, pour Yom Tov, on va te laisser puiser de l'eau depuis ce Be'er Akar. Be'er Akar, c'est la source, littéralement la source froide, mais le Bartana explique que dans le mot Hakar, ça ne vient pas du mot froid, mais c'est l'un de Makor, c'est une source. D'accord, ça vient même plus ou moins. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.